Bus. Aujourd'hui, la Fondation Canal Bus est à Marseille. Objectif, aider des touristes de plus en plus nombreux à bien apprécier les us et coutumes traditionnels grâce à un nouveau tour opérateur spécialiste du parler marseillais. Voilà, on est en train d'arriver donc dans le célébrissime quartier du Panier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes marseillais de naissance? Oui. Vous habitez depuis combien de temps? Depuis 5 ans ici. 5 ans, donc quand un marseillais dit 5 ans, c'est 2-3 ans maximum. Okay. Non, mais c'est 5 ans pour de vrai. Voilà. Pour de vrai. Le marseillais est fier, il ne changera pas. Non. Le Marseille Tour continue. Nous quittons la place des 13 cantons. Et ici, on fabrique du savon de Marseille. Donc, le savon de Marseille qui est présenté ici, c'est un savon qui est totalement artisanal et totalement fait de A à Z. À Marseille. Quand il dit de A à Z, ça veut dire de A alors, à quelle lettre? De A à Z, ça veut de dire A à que... Z, oui, c'est-à-dire de A à R, puisque, pour vous traduire un peu, le savon de Marseille est totalement un produit importé, soit de pays asiatiques, soit du Maghreb. Et donc, le savon de Marseille est vendu avant tout à Marseille. Oui, ça fait combien de temps que vous habitez ici? Je suis rentrée en 1991. 91, donc quand une Marseillaise dit 91, c'est plutôt 2006-2007. D'accord, ça fait 10 ans. Quoi. Ça veut dire que les Marseillais, on est toujours dans l'exagération. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la légende à la panneuse. Non. Ça, c'est vous qui le dites. Les Marseillais aiment bien raconter l'histoire d'une cité fondée par les Grecs, en réalité. Avant, il y avait les Ligures, ça date d'il y a 300-400 ans. Vous arrêtez. Vous allez sur le vieux port. Oui. Vous avez une grande plaque de cuivre. Oui. Où il y a une plaque, c'est une pièce de monnaie qui est posée. Non, une plaque. Il y a marqué ville fondée il y a 2600 ans. Voilà. Donc, des Marseillais ont rajouté des zéros, c'est il y a 250 ans. Ah, 250. Voilà. Et face à vous, vous avez donc l'hospice de la Charité. Donc l'architecte, comment s'appelle-t-il? Pierre Puget. Pierre quand même la grande vedette de l'époque. On l'appelait le Michel-Ange français. Ah, Michel-Ange français, d'accord. Pas n'importe qui. Bon, d'accord. Donc, il a conçu des hôtels première classe ou des Formule 1. Il est connu jusqu'à Saint-Denis-de-Provence. C'est ça, il est connu dans le monde entier, Pierre Puget. Il est peintre, architecte, sculpteur. D'accord. Enfin, il était maçon, quoi. Ouais, il était maçon, c'est ça. Il était architecte, c'est pas maçon, architecte. Mais quand un Marseillais dit d'un homme qu'il est architecte, il est le Michel-Ange Marseillais connu dans le monde, il faut remettre les choses à leur place. Vous êtes parisien? Oui. Évidemment. Alors, et ça pour un Parisien, le melon, alors évidemment... Alors le melon, c'est grand comment? Vous allez faire ce geste. C'est grand comment pour vous, un melon? Mais non, on respecte Marseille, vous respectez pas Paris. Ah non, Canal. Bus. La rencontre d'un peuple et d'un... Bus.